C'est Rock, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, pour ma part, ça remonte super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je t'envoie cette vidéo à code QG et à la code FR en espérant qu'il m'upload. Ça me ferait vraiment super plaisir. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui, on se retrouve pour analyser tout simplement une image qui est sortie aujourd'hui même. Donc, sur le site Charlie Intel, qui en gros rassemble énormément de leaks, de news, etc. concernant Call of Duty. Certains vont dire oui, mais ça se trouve c'est pas fiable. Et ben non, ce site est vraiment très 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 fiable. Je sais pas où ils trouvent ces sources, mais en tout cas elles sont très fiables. Et donc il y a eu une récente mise à jour sur le site officiel de Call of Duty. Et parmi cette mise à jour, il y a tout simplement la modification de l'image de couverture d'Infinite Warfare, qui est tout simplement le nouveau Call of Duty. Et donc elle a été remplacée avec cette image tout simplement. On peut remarquer trois hommes, donc qui sont vêtus quand même d'une manière assez futuriste. Mais regardez ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Ils tiennent tout simplement la fameuse M4A1. Voilà, la bonne vieille M4A1 qu'on retrouvait sur MW2 et MW3. Et qui est encore parmi nos armées. Voilà, par l'armée américaine. Elle est détenue par l'armée américaine. Donc, qui date de 2016. Voilà, elle est encore ici sur les champs de bataille. Donc, on peut peut-être s'attendre à un retour, on va dire, de modernité. Voilà, de notre temps, voilà. Un peu d'actualité dans ce nouveau Call of Duty, point de vue multijoueur, et j'entends bien multijoueur tout simplement, car la campagne a très peu de chances d'être touchée, car tout simplement, le maximum de la communauté Call of Duty touche très peu à la campagne, limite on pourrait l'enlever, on s'en battrait complètement les couilles, voilà. Mais je pense que après le gros beat qu'ils ont effectué face à Battlefield 1, je pense qu'ils se sont posé des questions, ils ont dit, oula, si on leur met un gameplay comme ça en multijoueur, je pense que on va pas faire beaucoup d'argent tout simplement, ou tout simplement ils vont acheter le jeu mais ils vont le revendre directement et ça sera un très très gros bide. Donc je pense qu'ils ont un peu rectifié leur manière de voir le nouveau Call of Duty en termes de multijoueur et je pense qu'ils sont un peu revenus sur leurs pas. Ils ont dit bon, on va peut-être leur faire plaisir, on va leur donner un petit indice via cette image, et on va peut-être leur mettre un multijoueur qui ressemble à Modern Warfare 3 ou Modern Warfare 2. Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on attend avec impatience, parce que c'est vraiment les meilleurs Call of Duty. Personnellement, j'ai joué à tous les Call of Duty, et ça, il n'y a aucun Call of Duty qui est égal à MW2 et MW3, et même MW normal, voilà, Code 4. Donc j'espère qu'ils ont fait un petit pas en arrière et qu'ils nous ont un peu, voilà, incorporé des armes qu'il y avait avant, voilà, un type de gameplay qui est quand même assez moderne, qui reste dans l'actualité d'aujourd'hui, pas avec des jetpacks, etc. En tout cas, s'ils le font, ça serait vraiment énorme, et je pense que là, ils feront un vrai carton, croyez-moi. En tout cas, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, voilà, c'est pas forcément ce qui va se passer, et je pense que, voilà, ils vont pas forcément m'écouter, parce que je suis personne, voilà, pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais voilà, j'ai juste donné mon point de vue. D'ailleurs, je vous invite à donner le vôtre en commentaire, et à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi les gars, je vous dis à la prochaine pour tout bien, ciao, bye bye, je vous fais plein de bisous, c'était Aerox.